Coucou, bienvenue. Alors, cette semaine, eh bien, on continue encore et toujours de faire des tableaux. Alors, vous m'avez vu faire plusieurs tableaux la semaine dernière. Certains sont vendus déjà. Donc, comme je vous avais dit, je ne les réserve pas pour la vente privée. Et du coup, bah, les gens sautent dessus. Donc, il y a le tigre sur fond bleu qui est vendu. Il y a la girafe en noir et blanc qui est vendue. Et il y a l'aigle en noir et blanc qui est vendu. Donc c'est pour ça que je vous ai filmé l'envoi du tigre, les autres partiront plus tard. Du coup, bien, il va falloir que je, que je mette les bouchées doux pour réussir à avoir suffisamment de toile. C'est toujours le problème lorsque je fais ce type de vente en fait. J'en fais et elles se vendent au fur et à mesure. Bon, c'est super hein, pour moi, mais c'est vrai que ça me met... un peu une charge supplémentaire parce que j'arrive pas à atteindre le nombre de toiles que j'aimerais faire. En fait, j'aimerais bien en avoir au moins une cinquantaine à vous proposer. Donc pour le moment, je dois en avoir une vingtaine. Donc il m'en reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Du coup, là, j'étais en train de regarder un petit peu les couleurs que vous m'aviez proposées. Parce que vous avez peut-être pas tout suivi sur Instagram, c'est quand ? La semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je vous avais réalisé un petit sondage et je vous avais demandé de me proposer des couleurs pour des tableaux. Donc certains ont eu des idées vraiment très originales, des mix de couleurs très originales. Et du coup, je vous avais dit que je choisirais l'une des combinaisons et que je ferais un tableau à partir de ça. Donc là, j'étais un petit peu en train de regarder ça, j'avais fait des imprimes écrans de toutes vos propositions. Et j'ai bien envie de partir sur, j'avais dit quoi, le violet, corail et rose pâle. Donc je pense que ça peut être un joli mélange, c'est en plus un défi pour moi parce que c'est pas des couleurs que je travaille souvent. Le violet si, mais corail et rose pâle non. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa d'essayer de faire ça et j'en ferai peut-être un autre. Parce que j'ai eu, si vous voyez, j'ai quand même eu pas mal de propositions. Donc je vais voir si... ouais, je pense que j'en ferai un autre parce qu'il y en a des sympas. D'ailleurs, ça me fait penser à Julie de Tersac, vous savez, l'artiste à qui j'ai acheté la feuille derrière là, avec le petit renard. Et en fait, elle s'est acheté un oracle des couleurs. Et en fait, elle tire les cartes un petit peu comme ça, les cartes qui viennent. Et en fait, elle fait des tableaux. Enfin, dernièrement, elle a essayé de se faire un tableau comme ça à partir des cartes qui sortaient. Et du coup, ça fait un très joli mélange. Et c'est ce que je lui disais, je trouve que c'est super sympa parce que ça nous challenge un petit peu en fait. Et ça nous sort de notre zone de confort. Donc ça nous force à utiliser des couleurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude et des fois je pense qu'il y a des choses qui peuvent en découler, des choses très sympathiques. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir son vlog où elle fait ça, je vous mettrai le lien en description. Bah du coup sinon à part ça, eh bien voilà, ah si, je vous ai pas montré, j'ai terminé cette toile, donc là, je l'ai pas vernie encore, je regardais. Donc voilà, elle est terminée, il n'y a plus qu'à la vernir. J'ai appelé mon reflet fantôme parce que c'est une panthère des neiges et je ne sais pas si vous savez, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la panthère des neiges est également appelée fantôme des montagnes. Donc voilà, et puis vu qu'elle est un petit peu diffuse, ça faisait un petit peu comme un reflet. Donc voilà, mon reflet fantôme. J'aime bien chercher des titres pour mes tableaux, je trouve que ça apporte une autre dimension à celui-ci. J'aime bien un petit peu le côté un petit peu message caché, ces choses-là. Donc bon, des fois c'est des titres tout simples, mais des fois ça va être des choses un petit peu plus recherchées où j'ai envie que la personne s'interroge sur le titre. Donc là, mon reflet fantôme, bon bah si je vous avais pas expliqué, vous auriez peut-être pas compris pourquoi. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la signification du fantôme des montagnes, voilà, c'est un petit clin d'œil. Et bien sur ce, je vais aller travailler, je vais peindre, il faut vraiment que je m'y mette. Comme vous voyez, les petits oiseaux derrière moi, ils sont toujours au même stade. Ah, en fait, ils m'inspirent pas trop ce tableau. Ou sinon, je vais le mettre de côté et je vais faire autre chose, hein, parce que là, ça va pas être possible. Bon allez, gigo.
j'ai fabriqué mes couleurs. Donc ici on va avoir le rose pâle, ici on a le corail et je vais prendre ce violet que je vais éclaircir également une fois sur la toile. Et je vais faire cette toile-ci, si je dis pas de bêtises, ça doit être une 60 par 60 cm. Donc voilà, je pense que ça va faire un vraiment joli mélange, j'ai hâte d'essayer ça. Alors la première couche est appliquée et franchement je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que c'est très coloré, c'est très estival en fait, hein, donc ça va bien se prêter à la vente d'été. Je suis pas sûre que les couleurs ressortent vraiment bien à l'écran, mais bon voilà, ça vous donne quand même à peu près un aperçu. Je vais laisser sécher ça et puis ensuite j'appliquerai la deuxième couche. Ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir ici mes palettes, assiettes, en fait, pour conserver les peintures, ce que je fais souvent, c'est que je retourne des assiettes sur les assiettes, comme ça, ça conserve un petit peu. Par contre, c'est la première fois que... Enfin, la première fois, non, mais... Ça fait peu de temps que j'utilise des assiettes en carton, parce qu'évidemment, les assiettes en plastique ne sont plus autorisées. Le plastique était mieux parce que ça conserve l'humidité. Le carton, j'ai peur que ça boive un petit peu. Je pense que ça séchera plus vite dans les assiettes en carton. En plus, je les avais commandées au drive et je me suis fait avoir à son toute petite, regardez, par rapport à ma main. Donc c'est pas vraiment la joie, c'est pas super pratique, mais bon, je vais écouler mon stock et ensuite je ferai avec autre chose. J'avais pensé pendant un temps me procurer une plaque de verre ou de plexi. Comme ça, au niveau pour le séchage, c'est pas mal. Et puis après, une fois que la peinture a séché dessus, il suffit juste de gratter pour enlever le surplus. Mais j'ai encore jamais essayé. D'ailleurs, si vous peignez, n'hésitez pas à me dire quelle est votre palette. C'est vrai que moi, j'ai essayé donc des assiettes en plastique. Je trouvais que le système était plutôt bien. Les assiettes en carton, là, c'est pas génial. En plus, c'est tout mou. Donc voilà, je me tâte à faire comme je vous ai dit, donc utiliser une plaque de plexi ou autre ou chose comme ça. Je me dis qu'en plus, niveau écologie, c'est peut-être un peu mieux plutôt que de jeter à chaque fois une assiette. Même si au final, vous voyez, au final, mes palettes finissent comme ça et je les réutilise. Hein, une fois que la peinture est sèche, j'applique d'autres peintures. Il n'y a que lorsque j'ai beaucoup trop d'épaisseur de peinture que je la jette. Mais j'essaye de l'utiliser au maximum pour éviter de polluer, hein, pour éviter de jeter ça. C'est sûr, c'est pas très écolo, mais bon, j'ai pas trouvé vraiment mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si toutefois vous avez des petites astuces comme ça qui peuvent être utilisées en guise de palette, parce que moi je suis pas une adepte de la palette traditionnelle de l'artiste avec... j'en ai une en bois qui doit traîner je sais pas où, mais voilà, au bout d'un moment ça finit par faire des épaisseurs, donc c'est pas génial pour le bois. Les palettes en plastique sinon, tout simplement, je pourrais utiliser, mais ouais, c'est pas... je sais pas, moi j'ai besoin de... En plus, j'ai besoin de beaucoup d'espace, de, comme vous voyez, comme là quand j'ai fait mes mélanges, donc j'ai une assiette pour une couleur, une autre pour une autre, donc j'ai besoin un petit peu de m'étaler. Je sais pas trop quoi utiliser pour que ce soit bien dans tous les sens du terme.
voulais vous montrer mes caladiums. Si vous vous souvenez, j'avais planté avec vous les tubercules de caladium. Je vous mettrai le lien vers le vlog où je les ai plantés en haut. Et ils ont mis un temps pas possible à sortir. Mais en même temps, c'est pas étonnant avec le temps qu'on a en ce moment. Et regardez, donc ici j'ai plein de pousses. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Là, j'ai même une feuille là, qui est en train d'arriver. Donc celui-ci, c'est le caladium, c'est celui-ci, le White Christmas. Donc il sera comme ça. Ici, j'ai quasiment rien. Ici, ça pousse aussi, je crois que c'est le caladium Frog in the Blender. Lui, il est vert tacheté de blanc avec les tiges noires. Il est magnifique celui-ci. Ici, vous voyez également... Alors attendez... Si je le sors, vous verrez mieux, je pense. Voilà. Vous voyez, on voit que ça pousse. Donc lui, je crois que c'est un White Christmas aussi. En fait, pour la petite histoire, de ceux que j'avais plantés avec vous, il y en a qui ont pourri. Cette année, apparemment, les caladiums ont des problèmes. Beaucoup ont pourri. Et du coup, j'ai refait d'autres commandes où j'ai commandé d'autres caladiums. Et en fait, je me suis trompée. J'ai commandé deux fois le White Christmas. Donc c'est pour ça que là, ce sera du White Christmas. Et là aussi, bon, c'est pas grave. Ça m'en fera plus. Ensuite, ici, ça pousse aussi tranquillement. Ça, c'est le Autumn Beauty. Alors lui, j'aime particulièrement parce qu'on a l'impression que c'est des feuilles automnales un peu orangées, vertes. Donc on verra ce que ça donne. C'est la première fois que je l'ai, celui-ci. L'an dernier, j'avais essayé les caladiums. Et j'en avais eu quelques-uns. Ensuite, là, ça pousse aussi. Lui, c'est le Strawberry Star. Lui, il est blanc avec des petites taches roses. Il est magnifique, celui-ci. J'ai hâte de le découvrir. J'espère que ça va le faire. Et ensuite, j'en ai ici dans une sorte d'aquarium que j'ai transformé en petite serre. Donc, j'ai celui-ci, le White Queen, qui commence à pousser également. J'en ai un ici, il ressemble un petit peu plus, mais avec beaucoup plus de rose, le Fiesta. Regardez. Oh, bah, j'avais même pas vu, là, j'ai une grande feuille qui commence à sortir. Cool. Tac, c'est autre chose, et ça pousse toujours pas. C'est la Locasia Hello Beauty, qui est comme ça, et ça sort pas pour le moment, donc je le laisse dans sa petite serre, on verra. Voilà, voilà. Bon, en fait, ici, c'est un petit peu mes sauvetages. Là, j'ai un Black Velvet qui est en train de repartir, qui était en train de mourir. Ici, ce sont plein de petites bulbilles d'Alocasia zebrina. En fait, quand je l'ai rempotée, ma grosse plante, j'ai trouvé 8 bulbilles dedans. Je les ai même enlevées sans faire exprès. Elles se sont détachées et du coup, je me suis dit, je vais essayer de les faire partir. Et du coup, c'est ce que vous voyez dans ma petite serre, là. Et au final, j'en ai deux qui commencent à démarrer. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en parlant de plantes, l'une d'entre vous m'a demandé quelle était la plante que je m'étais achetée et dont je parle dans le précédent vlog. Et bien, c'est celle-ci. C'est un Pothos Enjoy. Donc, Pothos, une plante très facile à entretenir. Et le Enjoy, vous voyez, a cette particularité d'avoir des feuilles avec des marquages vert et blanc très jolis. En fait, j'avais une petite bouture avec deux micro-feuilles qui est dans l'eau depuis un petit moment et j'ai vraiment du mal à la faire partir. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une vraie plante bien installée parce que sinon l'autre, je vais pouvoir l'attendre 10 ans avant de la voir vraiment. Coucou, on est mercredi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait ce rhino qu'il me reste à vernir. J'ai enfin fait mes deux oiseaux. Alors du coup, je suis partie sur deux parce que si j'en avais fait trois, il aurait fallu que je les fasse plus petits. Et du coup, je pense que ça aurait été un peu trop petit pour combler l'espace. Donc voilà, je suis partie sur une mésange bleue et un rouge-gorge. Donc pareil, il faut que je la vernisse. Et j'en ai fait une troisième, je suis contente. J'ai tenu mon rythme. Hop, le tigre sur bois qui n'est pas verni également. Voilà. Et du coup, mon fond, là, je vais appliquer la seconde couche. Donc je vais pouvoir peindre l'animal.
J'ai bien envie de faire une tortue, mais c'est pas sûr encore. Donc j'y réfléchis, mais ouais, je pense quand même que ça va être quelque chose comme ça. Ici, j'ai appliqué du noir sur ce fond. Il lui faut sa deuxième couche parce que si je vous zoome ici, vous voyez, c'est pas génial. Ensuite, j'ai fait ces deux fonds type aquarelle. En fait, ce que je fais pour gagner du temps lors de ce type de vente, quand j'utilise une couleur, par exemple ici, j'ai utilisé du violet, du corail et du rose, et bien tant que j'avais mon corail et mon rose de sortie, de près, vu que j'en avais un petit peu plus, et bien j'ai utilisé pour faire mes fonds ici. Comme ça, ça me permet de gagner du temps et de ne pas perdre de peinture également. Donc voilà, ça c'est prêt. Du coup, là je vais attaquer par faire les attaches derrière, les inscriptions des noms, plus le vernis. Ici je vais faire le dessin, je vais essayer de faire les dessins sur ces deux toiles aussi. La grande, j'ai envie de faire une girafe, vous voyez, vraiment le cou de la girafe et la girafe qui lève la tête. Donc on va voir si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. Et l'autre, je sais pas encore. Ici, je vais sûrement faire un oiseau, comme s'il était sur son nid. Je sais pas quel type d'oiseau, parce que à la base, je voulais faire un rapace, mais je sais pas si j'aurai la place pour le faire suffisamment grand. Donc je vais voir. Et oui, il faut que je vernisse celle-ci aussi, que je vous montrais hier, qui est prête. Et puis bah sinon, après, je vais préparer d'autres fonds. On continue. Thank you.
Hello, hello, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait beau, c'est super. Donc, je vais vous montrer où j'en suis dans l'atelier. Hier, j'ai fait deux toiles, j'en ai commencé une autre. Donc, ça va, je suis mon rythme. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, du coup, là, j'étais en train de mettre les fixations un petit peu sur tout le monde. Donc, celle-ci, elle est terminée. Il ne me manque plus qu'à la vernir. Un petit pandarou et franchement j'ai mis des notes de rose et je trouve que ça lui va super bien. Je trouve qu'il est plutôt mignon. Voilà pour lui. Donc ces deux là je vous les ai déjà montrés, ils ont eu leur première couche de vernis. Là il y a eu la première couche de vernis également, lui aussi. Et donc voilà l'autre toile que je pense avoir terminée. Bon attendez, faut que je recule. Hop là, donc voilà ce que ça donne de loin. Donc là pareil, j'ai peut-être quelques petites retouches à faire, apporter un petit peu plus de lumière peut-être sur ces taches ici, je vais mettre un petit peu plus de jaune je pense. Et puis bah sinon après place au vernis hein. Et du coup l'autre que j'ai commencé, bon, je l'ai à peine commencé, j'ai pas eu le temps hier. C'est celui-ci, donc ce sera probablement une panthère des neiges. Enfin, moi je dis probablement, c'est une panthère des neiges. Je suis moyennement satisfaite pour le moment, j'ai du mal à faire le croquis. Je pense que vous avez vu, j'ai recommencé plusieurs fois. Mais après, des fois, le croquis est bizarre et puis en fait, une fois qu'on met en couleur avec les ombres et lumières, etc., ça choque moins. Donc, bah, c'est parti pour une nouvelle journée à mes côtés. J'étais en train de peindre la tortue derrière moi et quand je peins, je me mets souvent des choses à regarder ou à écouter. Et du coup, là, j'étais en train d'écouter une vidéo de l'artiste peintre Cindy Barrier. Et figurez-vous qu'elle parle de palettes en verre. Donc, je vous parlais au début de ce vlog de mes palettes qui commençaient à m'agacer. Eh bien, en fait, il existe des palettes en verre spécialement conçues. Donc je pense que je vais aller directement m'en acheter parce qu'en fait c'est un verre qui est très épais, qui est très solide. Je pense que ça doit être quelque chose de un verre Sécurite parce qu'elle raconte qu'elle l'a fait tomber plusieurs fois et elle ne l'a pas cassé, donc ça c'est top. Les coins sont protégés, les angles sont biseautés donc ça évite de se couper. Donc vraiment tout ce que je recherche. Ça m'évitera d'aller dans un magasin de bricolage, de faire découper, que voilà, ce soit pas tip top et que ça peut risquer d'être dangereux aussi. Donc je suis bien contente, je vais aller voir ça tout de suite là sur internet. Coucou Pastel. Et donc voilà, je suis contente, c'est la petite joie de l'après-midi. Sinon du coup en parlant de personnes que j'écoute, que je suis, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo sur les personnes que je suis comme ça, donc autant dans le monde de l'art, dans le monde des plantes, etc. Donc je vous ferai une courte vidéo qui sortira je pense prochainement, ça fait un petit moment que j'y pense, et comme ça je pense que ça peut vous intéresser et puis ça peut vous faire découvrir des personnes.
Voilà, donc en ce qui concerne les peintures, donc bah, la tortue ici qui n'est pas spécialement beaucoup avancée. Pour le moment, je suis pas trop contente de moi, donc je verrai. Bon, après, c'est vraiment la base pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui. Alors, j'ai commencé un rondin sur bois comme ça. Alors, pour tout vous avouer, en fait, c'était un loupé. J'avais fait quelque chose, j'avais fait un hérisson dessus qui ne me plaisait pas du tout. Et du coup, bah, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir. Donc là, j'ai fait la moitié. Et bah, je vais faire un regard d'animal. Alors ça va peut-être être félin ou loup, je sais pas trop encore. Et je vais jouer donc sur côté bois et côté noir. Je vais jouer un petit peu sur une dualité comme ça. Et vous voyez, c'est rigolo parce que il y a un trou. Donc en fait, au départ, l'idée, c'était de faire le trou, le nez du hérisson. Et bon, en fait, ça allait pas. Le hérisson se retrouvait à être pas cadré comme je voulais, parce que du coup, la partie du piquant se retrouvait à être hors champ, là. Bon, bref, c'était pas une réussite du tout. Donc vous voyez, hein, des fois, c'est pas une réussite. Il faut savoir rebondir dans ces cas-là. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré, il me reste à faire les projections. Voilà. Bon, finalement, il n'est pas si moche que ça. Au début, je vous disais qu'il ne me plaisait pas, mais en fait, finalement, c'est pas trop mal, il me plaît bien. Voilà, voilà, et puis bah, tout ce petit monde est en train de sécher. Là, j'ai appliqué du cuivré pour apporter un côté un petit peu vieilli au tableau, un petit peu rouillé. Et j'ai fait deux fonds gris, mais ça je vous l'ai filmé. Samedi, eh bien, je vais pas tarder à terminer ce vlog parce qu'il faut que je le prépare pour ce soir. Hein. Et du coup, avant, je voulais vous montrer l'étoile qui était terminée. Donc, le faucon cresserelle, il me manque à le vernir. Voilà, j'ai fait la tortue.
Voilà la tortue. Je sais pas si je m'arrête là. Je vais peut-être lui apporter d'autres lumières un petit peu, quoique, pas sûr. Donc, à méditer. Je suis encore un petit peu sceptique sur le rendu final. Et puis j'ai ce loup qui est terminé du coup sur bois. Donc voilà, il me reste à les vernir. Pour ce qui est du petit panda, celui-ci que vous avez vu dans ce vlog, eh bien il est vendu. Tous les petits 30 par 30, ils partent facilement. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup je m'excuse un petit peu pour ce vlog, je pense qu'au niveau qualitatif il va pas être super intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup peint, de vous avoir fait beaucoup de démonstrations en accéléré et je n'ai pas spécialement pris le temps de discuter avec vous, mais comme vous le savez je prépare donc cette vente, j'essaye d'avancer un maximum, donc je ne m'attarde pas trop sur les blablas. Et je m'en excuse par avance. Bon, et eh bien sur ce, je vais préparer le vlog et vernir tout le monde derrière moi. Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de venir me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Allez, à la semaine prochaine !